conseil de notre très cher comte de Toulouse, il va falloir se mettre debout. Allez, debout, voyons. Bien, pour accueillir avec tous les honneurs du bassin, notre très cher comte de Toulouse, de Saint-Gilles, Duc de Narbonne, Marquis de Maugis et de Provence. J'ai nommé Messire Raymond VI. Cette acclamation vous donne force et courage. Saluons également la présence à ses côtés de la chère compagne de notre vicomte. Je veux dire, j'ai nommé Dame Agnès de Montpellier. Ah, très chère Dame Agnès, bienvenue en service de par votre présence. Cela donne un carrément soutien et vaillance à nos chevaliers qui défendront nos terres et l'avenir de votre noble lignée. Esquivez, pasteur, accompagne donc Dame Agnès à la tribune. Mais dites-moi, messire, la chasse de la matinée fut-elle bonne? Magnifique, moult faisans et moult verbaux, me dit-on. Il n'est pas étonnant quand cette belle matinée de chasse, même le gilet occitan n'est point survécu à nos nobles chasseurs. De bonnes ripailles s'annoncent, mes bons amis. De bonnes ripailles s'annoncent. Eh bien alors, saluons également la présence à nos côtés de notre charmant cocognier habile qui remplit nos estomacs. Mais dites-moi ce propos, messieurs Trincadel. Nous feriez-vous l'honneur d'une petite démonstration de fauconnerie dont vous avez secret?